Io vorrei sapere la tua memoria alimentare. La tua memoria alimentare, che punto zero è? Ah, da dove parte? Quando tu ricordi il cibo, qual è il tuo primo ricordo? Eh bien, j'ai une mémoire alimentaire un peu particulière parce qu'elle a été marquée par la guerre. Et donc, j'avais 5 ans ou 40. Et donc, toute l'histoire de la guerre, c'est pour moi l'attente des colis qui venaient de Bretagne, parce que on nous envoyait un peu des tons, des tonnes, avec du sel dessus pour le conserver, et quelquefois un peu de beurre aussi, et ça arrivait dans un état. Mais la nourriture était une préoccupation, évidemment. Et mon premier souvenir de grande gourmandise, ça a été avant la fin de la guerre, un mariage d'un cousin. Et ils avaient trouvé du poulet frites et du pain blanc. Et j'ai souvenir de ça. Je n'aime pas particulièrement le poulet, ni les frites, ni le pain blanc non plus, mais à l'époque, comme on était habitué au pain noir ou au pain de maïs, c'était pour moi une merveille, c'était déjà la libération. C'était de la cocagne. C'est ça. Alors ça, c'est un souvenir très fort, parce que, bon, 44, j'avais 9 ans, donc 45, 10 ans, à ce moment-là, j'étais déjà conscient, bien organisé. Mais donc, toute l'histoire de ma première enfance jusqu'à la préadolescence a été marquée par ce souci de l'alimentation. Et invece, per quanto riguarda la tua ricerca sul campo, in antropologia, hai dei particolari ricordi legati a un incontro alimentare? Je n'ai pas de blocage. Donc j'ai pu manger toutes les nourritures qu'on me proposait sans un problème. Il y en a en Afrique, la cuisine africaine peut être excellente, notamment au Sénégal et au Togo, il y a des choses excellentes. Dans les villages de Côte d'Ivoire, dans les cultures forestières, c'était pas extraordinaire, je veux dire, les gens mangeaient. Il y avait des choses que je mangeais très bien, facilement, mais j'ai des amis qui parfois souhaitent aller dans les restaurants africains à Paris pour retrouver des émotions culinaires. J'ai rarement cette envie. Mais néanmoins, j'avais appris à bien distinguer un bon foutou d'un mauvais foutou, etc. Mais j'ai toujours une certaine souplesse de ce point de vue-là, ça ne m'a jamais posé de problème. Sauf peut-être une fois une espèce de chenille qu'on me recommandait comme gourmandise particulièrement recherchée. Je n'étais pas très assuré. Qual è il tuo piatto preferito? Je ne sais pas que dire. Je ne voudrais pas paraître flagorneur, j'adore la cuisine italienne. Semplicità pitagorica. Oui, c'est ça, mais essentiel. Essentiel. Et la cucina francese, il tuo piatto preferito? Ah, il me plaît aussi beaucoup, mais j'ai été élevé évidemment au milieu des discours sur la priorité de la cuisine française, ce qui fait que je tiens à rendre justice à la cuisine italienne, que je crois en moyenne largement équivalente et sans doute supérieure à bien des égards. À quelques égards, peut-être. J'aime le foie gras, j'aime la viande. Je sais que si un jour on décidait qu'on ne tuera plus d'animaux, je m'inclinerais parce que je suis sensible à ce thème. Mais en attendant, je suis trop carnassier, trop gourmand pour y renoncer par sacrifice personnel. L'ultima questione, basta un monosillabo per rispondere. Vino bianco o rosso? Rosso. Un nome. Rosso Ma. Ma. Bene, anche il bianco. Borgogna o Bordeaux? Bourgogne blanc, Bordeaux rouge. Perfetto, grazie.